parce que la reprise économique se poursuit et devrait entraîner une croissance au cours des prochains mois. Parce qu'on doit faire preuve de créativité pour développer des projets d'affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que nous sommes à un tournant du développement économique régional. Parce qu'ensemble, nous pouvons voir grand. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lefjord vous permet, à travers ses rendez-vous économiques, de saisir des opportunités d'affaires, mais aussi de réfléchir sur l'avenir économique et social de notre région. Présenté par Promotion Saguenay, en collaboration avec la BDC, Netris et nos partenaires médias, bienvenue à ce rendez-vous économique. Alors bonjour et bienvenue à ce rendez-vous économique qui nous plongera au cœur de l'économie verte et de la transition énergétique. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine québécoise de l'économie verte. Bienvenue à vous tous. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lefjord. Ce rendez-vous économique vous est présenté par Promotion Saguenay en collaboration avec Netris, la BDC, PME Durable 02, le Centre québécois de développement durable et Écotech, ainsi que nos partenaires médias Informaffaires et le 95.7 KIC. J'aimerais également remercier les partenaires annuels de la Chambre de commerce, Ville Saguenay, MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. Transition énergétique, économie verte, GES, ESG, des termes qui font maintenant partie de notre perspective de développement économique responsable et durable. En février dernier, KPMG dévoilait les résultats d'une étude qui montrait que 54 % des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean avaient mis en place des objectifs ou des politiques de développement durable, 54 % contre 42 % pour l'ensemble du Québec. Nul doute que la présence du CQDD dans notre région y soit pour quelque chose. Et bien sûr, les travaux d'un grand homme, Claude Villeneuve, de la chaire Éco-conseil de l'UQAC. J'aimerais saluer Alexandre Cloutier, qui est là ce matin, de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour Alexandre. L'expérience GNL nous a dit qu'il est plus que temps de s'unir pour un développement industriel raisonné, un développement écologique industriel. Le rôle d'une chambre de commerce est de rassembler et de permettre le dialogue. Et nous sommes très, très, très heureux aujourd'hui de jouer ce rôle en collaboration avec nos nombreux partenaires. Voici comment se déroulera l'événement de ce matin. Tout commencera par une présentation de Denis Leclerc, président et chef de la direction d'Écotech. Les présentations seront suivies par deux panels de discussion. Le premier panel, les nouvelles attentes d'éco-responsabilité pour les projets d'investissement et le développement de produits. Le deuxième panel portera sur le potentiel de l'hydrogène vert pour le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cet événement sera suivi par des ateliers, des tables tournantes avec la participation d'Investissement Québec, Hydro-Québec, Fonds d'action, Hydrogène Québec, Fonds Éco-Leader, CQDD, KPMG et le groupe Gilbert ainsi que le consortium SAF+. D'ailleurs, vous trouverez devant vous, sur votre table, sur votre serviette, la liste des entreprises ainsi que le nom de chacun des intervenants présents ce matin. Et je vous invite à aller voir les tables, à aller les rencontrer, à aller poser vos questions. C'est une occasion extraordinaire de démystifier certains termes. J'aimerais maintenant céder la parole à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Madame la ministre a accepté de venir prononcer le mot d'ouverture. C'est une grosse journée pour elle, car le premier ministre est présent aujourd'hui dans notre région. Alors, André, je vous inviterai à venir prendre le micro.
Alors, je vous salue, les gens de Promotion Saguenay également. Salutations à vous tous. Éric et Priscilla doit être là, ça c'est certain. En tout cas, bref, c'est certain qu'elle n'est pas loin. Alors, salutations à vous tous. Alors, je suis quand même très, très heureuse d'être ici parce que on le sait, dans le cadre de la Semaine d'économie verte. Alors, je tiens vraiment à saluer l'engagement du milieu des affaires à l'égard des changements climatiques. Par exemple, notre région a vu naître le Centre québécois durable, le CQDD, la chaire éco-conseil, comme Sandra le mentionnait avec M. Claude Villeneuve de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, il y en a plusieurs autres. Je crois vraiment qu'il est essentiel que nous soyons un leader en la matière. Plusieurs entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean font d'ailleurs des efforts en ce sens. Il y a, entre autres, Rio Tinto avec Elysis, avec la décarbonisation. Il y a également la coopérative régionale Nutrinard qui a pris un virage éco-responsable. Je t'ai soufflé, là, il faut que j'aille trouver M. Legault et je suis très pressée, mais je prends le temps quand même. Il est assez exigeant. Non. Je suis très, lui est exigeant, moi je suis très transparent. Oui, puis je voulais rester ici un petit peu plus longtemps, mais je ne pourrais pas, mais ce n'est pas grave, je vais prendre tous les messages de Sandra par la suite. Alors également, c'est une bonne nouvelle vraiment que l'hydrogène vert soit à l'ordre du jour aujourd'hui. Vous connaissez l'intérêt de notre gouvernement pour cette forme d'énergie. Alors présentement, notre gouvernement va mettre en place des conditions gagnantes afin d'être un chef de file, voire un leader en bioénergie et en hydrogène très, très prochainement. Ce que nous souhaitons, c'est atteindre nos cibles pour ainsi décarboniser nos actions en économie verte, pour diminuer nos GES, nos générations futures en seront gagnantes. La Chambre de commerce a frappé dans le mille ce matin avec ses invités, Sandra. Soyez certains que nous serons à l'écoute de toutes vos propositions. D'ailleurs, certains des invités ont eu la chance de rencontrer le ministre Pierre Fitzgibbon, M. Julien, récemment. Vos activités vont permettre également et vont me permettre de reparler à mes collègues pour leur dire que le Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite développer une filière sur leur territoire comme dans certaines régions. De plus, avec des entreprises comme les vôtres, comme les nôtres, je suis persuadée que cette nouvelle tendance n'est que le début d'une ère nouvelle. Si on parle de mon ministère, par exemple, aux affaires municipales et l'habitation, pas plus tard que la semaine passée, on a annoncé 113 millions pour des mesures incitatives considérant les changements climatiques. Tous les ministères sont concernés. Il y a également la politique nationale d'aménagement et d'urbanisme que je vais déposer prochainement, qui va vraiment donner une meilleure vision pour les changements climatiques dans toutes les municipalités, dans toutes les régions du Québec. Un travail qu'on a fait, une consultation d'un an et demi avec tous les partenaires, 4000 organismes sans mémoire. Alors, on va déposer notre vision nationale pour l'aménagement du territoire prochainement. Alors, j'invite également, et certainement Ville-Saguenay, et toutes les municipalités à participer à ce programme d'avenir pour nos générations futures. Alors, je vous souhaite vraiment un rendez-vous économique riche en échanges. Merci vraiment à toute la communauté d'affaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous le savez, les affaires pour moi, c'est ma vie, c'est mon ancienne vie, ça va toujours rester mes priorités. Alors, si vous avez besoin, je le dis, de venir me rencontrer, le message est toujours fait, les messages sont toujours faits avec mes collègues. Peu importe quel ministère, je vais essayer de collaborer avec vous. Merci beaucoup pour votre présence, puis j'attends des belles rencontres. Merci tout le monde. Bye-bye. Merci, Madame la ministre. Votre présence est très, très, très appréciée. Vous direz bonjour à M. Legault de notre part. Pour la Chambre de commerce, la relève d'affaires, le leadership féminin, ce sont des priorités également. Et j'aimerais céder la parole à notre présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, Valérie Gilbert, qui représente la relève entrepreneuriale et le leadership féminin. Elle est directrice principale service chez Groupe Gilbert. À toi, ma belle présidente. Bon matin, merci Sandra. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis vraiment, vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin. Vous savez, l'urgence climatique commande que nous passions à la vitesse supérieure dans notre lutte contre ces changements. Une exigence renforcée par le besoin de relancer durablement notre économie face aux impacts de la pandémie.
C'est pourquoi, avec ce rendez-vous économique de ce matin, nous souhaitons réfléchir à l'économie de demain et permettre aux entreprises de découvrir de nouvelles opportunités liées à la transition énergétique. Le Québec est en bonne position de devenir un leader en matière de production d'énergie propre, autant avec son hydroélectricité qu'avec les bioénergies et l'hydrogène vert. Nous avons d'ailleurs réuni aujourd'hui plusieurs acteurs importants afin de vous présenter le potentiel de l'hydrogène vert pour le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La région doit absolument saisir cette opportunité afin de devenir un leader dans cette filière d'avenir. Et vous voyez, ce matin, on est plusieurs réunis aussi, et clairement, la région a tout le potentiel de se démarquer et prendre ce leadership-là. Nous avons des modèles d'entreprises éco-responsables et des leaders de l'hydrogène vert au Québec. Ce matin, je vous invite à les écouter, à les rencontrer et à développer avec eux surtout. Alors, sous ça, je vous souhaite un bon déjeuner, une agréable matinée et profitez-en bien. Merci Valérie. Promotion Saguenay est le présentateur de ces rendez-vous économiques qui sont des agents de changement, des moments pour réfléchir ensemble. Promotion Saguenay est très, très important pour la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafjord. Et je cède la parole au président de Promotion Saguenay, M. Éric Larouche, qui est un homme d'affaires bien connu dans notre région. Merci Sandra. Bien, vous savez, Promotion Saguenay, c'est votre organisation de développement économique. Elle est à votre service à tous. Il y a quelques années, moi, ça fait à peu près, six ans que je fais partie de l'organisation de Promotion Saguenay. Le mot développement durable, le mot transition énergétique, c'est des mots qu'on n'entendait pas souvent. Aujourd'hui, hier, c'était notre AGA de l'organisation. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, ces mots sont au cœur des priorités de l'organisation. Puis d'ailleurs, j'ai appris tout à l'heure qu'on a un nouvel éco-conseiller qui a été embauché. Alors, Promotion Saguenay a une approche d'écoute des entrepreneurs et, évidemment, ajuste sa structure en fonction des besoins des organisations et des tendances du marché. Sachez que gênez-vous pas de venir voir l'organisation, puis évidemment, nous remettre à l'ordre. Ça se peut qu'on n'écoute pas bien, puis qu'on n'entende pas bien ce que les gens ont à nous dire. Alors, gênez-vous pas de venir nous voir puis de nous le dire. Mais la richesse humaine qui est présente sur le territoire et est très à l'écoute. Tient au courant le conseil d'administration et la direction générale de ses priorités. Et aujourd'hui, c'est une discussion qui est importante. Comprendre la transition énergétique, moi, vous le savez, je suis dans l'énergie, ça fait longtemps. Et même pour moi, c'est pas évident de comprendre cette transition-là, comment se fait le réseau de distribution, être capable de produire. Il y a quelques années, on ne savait même pas qu'on pouvait avoir des opportunités de produire de l'hydrogène vert. Même chose pour le gaz naturel, compressé, liquéfié, l'éolien. L'éolien, on voit apparaître ça dans notre ciel régional, depuis quelques années. Alors, ça, c'est des opportunités pour générer de la richesse collective. On sait que les MRC et le territoire peuvent s'impliquer avec des projets énergétiques pour générer de la valeur dans nos organisations. Puis en même temps, bien, c'est des opportunités pour les entrepreneurs. Nous, les entrepreneurs qui bâtissons la région, la tendance du développement durable est quelque chose d'inévitable. Puis je vais toujours me rappeler, on a parlé de Denis Villeneuve, mais M. Villeneuve m'a toujours dit: Éric, en matière de développement durable, si ce n'est pas rentable, ce n'est pas durable. Alors, travaillons ensemble à créer des projets rentables pour notre région et notre économie va s'en tenir mieux, va s'en sentir mieux. Puis en même temps, les projets vont être durables et vont rester avec nous longtemps pour les générations futures. Notre relève de demain qui s'en vient nous rejoindre bientôt. Merci. Bonne rencontre. Merci beaucoup, Éric. Il est maintenant le temps de vous présenter notre conférencier. Depuis 2009, Denis Leclerc est président et chef de la direction d'Écotech Québec, une organisation vouée au développement et à la croissance de la grappe des technologies propres au Québec.
Il est aussi le président du conseil de l'Alliance CleanTech et de l'International CleanTech Network, basé à Copenhague, au Danemark. Très actif dans la communauté, M. Leclerc siège au conseil du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, au comité stratégique de la Fondation Solar Impulse en Suisse, ainsi qu'au groupe consultatif canadien sur l'environnement pour l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. En plus d'être un administrateur des sociétés certifiées, M. Leclerc est entre autres titulaire d'un MBA de l'Université de Sherbrooke. C'est un honneur d'accueillir Denis Leclerc, président et chef de la direction d'Écotech Québec. Bonne conférence. Merci beaucoup. Merci, Sandra. Bonjour à toutes et à tous et bon déjeuner. Très, très, très content d'être de retour ici. Ça me rappelle toutes sortes de souvenirs. J'en ai plusieurs de bons souvenirs et je vois plusieurs faces familières. C'est vrai qu'on a gagné quelques cheveux gris depuis le temps, mais c'est pas grave, on a gardé le même dynamisme. Alors, ça me fait vraiment plaisir, dans le cadre de la semaine de l'économie verte, d'être ici puis de parler de c'est quoi l'économie verte et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Sandra me disait, avec Denis Bouchard, que je salue ici, ça fait plusieurs mois qu'il me disait « Denis, il faudrait faire quelque chose au Saguenay, mais il ne faut pas que ça soit théorique, il ne faut pas que ça soit philosophique, il faut que ça soit concret. » Parce qu'on veut, tu connais la région, nous autres, on est des fonceurs, on veut des choses de concret. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, ben, avec plaisir, puis c'est comme ça aussi que je me fais aborder par toutes sortes de manufacturiers, toutes sortes d'industriels qui me disent, ah, c'est le fun, les technologies propres, la transition, mais comment je fais ça, là, tu sais, concrètement? Alors, c'est pour ça que je vais vous en dire avec quelques mots. D'abord, c'est quoi de l'économie verte? Pas compliqué. C'est de faire mieux avec moins. Point. Faire mieux avec moins, moins de gaspillage, moins d'énergie fossile, moins d'utilisation d'eau, moins de produits chimiques, mais toujours de faire mieux. Alors, c'est un peu le concept de se dire, bien, en économie verte, si on fait ça, bien, ça va nous donner aussi des avantages. Puis ici, là, je ne vous parlerai pas d'avantages environnementaux. Je ne parlerai pas des avantages climatiques. J'ai beaucoup d'amis un peu partout dans des groupes de pression qui seraient en mesure de vous en parler. Moi, je vais regarder dans l'œil, dans votre œil à vous, gens d'affaires, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner trois enjeux concrets. Premier enjeu, l'inflation, oh, depuis 6 mois, là, on voit ça, l'inflation, coût de la vie, oh, l'inflation, ça veut dire quoi? Votre coût de financement, ça va vous coûter plus cher quand vous allez à la banque, en caisse pas, ça va vous coûter plus cher avoir de l'argent. Oui, le coût de financement va augmenter. Mais il y a des possibilités, si vous regardez tout ce qui se fait au niveau du financement durable, il y a des possibilités que ça vous coûte moins cher. Vous allez me dire comment on fait ça. Mais si vous regardez, les banques maintenant commencent à offrir des prêts à la durabilité. Ça veut dire quoi, c'est un prêt à la durabilité? Ça veut dire que c'est un prêt, tu as ton taux d'intérêt, mais si tu réussis à atteindre certains objectifs, des objectifs pas seulement environnementaux, c'est-à-dire réduire ton impact sur l'environnement, c'est également au niveau social, hein, les ESG, là, qu'on parle d'environnement, social, gouvernance. Alors, si tu fais mieux tes choses, tu as la possibilité d'avoir un taux d'intérêt plus bas. Il y a même des banques, et ça va de plus en plus vite à ce niveau-là, il y a même des prêteurs que ton taux d'intérêt est zéro. Sur un prêt, zéro taux d'intérêt, puis tu peux avoir des moratoires de paiement. Alors, vous voyez, même l'aspect financier, tout le secteur financier,
est vraiment embarqué dans cette chaîne-là et c'est à vous de pouvoir en profiter. Alors, vous me dites, vous pourriez me dire, oui, mais comment je vais faire ça avec, avec ma banque? Et vous direz à la banque là, que, je le disais hier, je vous donne un exemple d'une grande compagnie parce que dans les médias, on ne parle pas des petites entreprises, là, malheureusement, qui ont des prêts à la durabilité. SNC-Lavalin vient de reconduire son financement. On va me dire, c'est une grosse entreprise, oui, 2 milliards. Mais lisez bien, là. Là, il y a une gang de banques qui prêtent de l'argent à SNC-Lavalin puis qui leur ont dit, si tu réduis ton impact sur l'environnement, si tu continues à aider tes clients à réduire l'impact sur l'environnement, ça va te coûter moins cher. Alors ça, c'est du concret. Alors, coût de la vie, l'inflation, votre coût de capital, bien, il pourrait être réduit grâce à vos activités, de faire mieux avec moins. Un autre aspect qu'on me dit souvent, c'est avec la pandémie, ça a été tough, en maudit. Là, on essaie de reprendre nos parts de marché. On essaie de sécuriser nos clients. On essaie d'augmenter, de trouver de nouveaux territoires, trouver de nouveaux clients. Garder ses clients importants. En trouver d'autres, ben oui, c'est important aussi. C'est ça, être la compétitivité là, d'une entreprise, c'est ça. Mais là, plus on regarde, puis si vous regardez vous, là, vous êtes soit dans votre entreprise, vous êtes client de quelqu'un, puis vous êtes fournisseur de quelqu'un. Puis, si vous regardez les grandes entreprises, de plus en plus, elles ont l'obligation de divulguer leur impact sur l'environnement. Elles ont l'obligation de divulguer leurs émissions de gaz à effet de serre, d'un côté, mais de l'autre côté également, tout ce qu'ils font avec les ressources naturelles. Fait que de plus en plus, puis d'ailleurs, les entreprises qui sont cotées à la Bourse de New York, ils ont dit, dans 18 mois, toutes les entreprises cotées à la Bourse de New York, vous allez nous dévoiler votre impact sur l'environnement. Là, vous vous dites, ben, c'est pas si pire que ça. Ils vont dévoiler l'impact sur l'environnement. Ben, attendez une minute. Il faut lire un petit peu plus bas. Et votre plan d'action pour réduire votre impact sur l'environnement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils vont aller voir leurs fournisseurs puis ils vont dire, hey, vous devez m'aider à réduire mon impact sur l'environnement. Ça me fait penser à une histoire vraie. Il y a une quinzaine d'années, j'étais chez Abitibi Consolidated. Ça s'appelait Abitibi Bow Water. C'est vrai après ça. Et chez Abitibi Bow Water, j'étais le vice-président de développement durable et environnement. Puis il y a 15 ans, il y a un grand détaillant américain qui m'a appelé puis qui m'a dit, c'est un des grands détaillants, là. Je ne veux pas vous le nommer, là. Ça commence par W. Puis, ils ont dit, nous autres, on prend votre papier pour imprimer des circulaires. Ben oui, très bien, on est bien contents d'être heureux. Ils ont dit, il faut que vous nous aidiez à réduire notre empreinte carbone. Il y a 15 ans. Ben, j'ai dit, ça va nous faire plaisir, on va aller prendre un café, on pourra se parler à un moment donné. 3 mois après, le type m'appelle et il me dit, on a une grande initiative de réduire notre empreinte carbone, alors on veut vous aviser qu'on a trouvé un autre fournisseur de papier pour nos circulaires aux États-Unis. Empreinte carbone réduite. Je dis, non, ça ne se peut pas. On est les meilleurs au Québec, voyons donc. Et là, on s'est aperçu que, finalement, on a réglé le tout parce qu'on s'est aperçu que le fournisseur américain n'avait pas tout dévoilé ses critères et on a gardé ce client-là. Mais pensez-y, il y a 15 ans, cette grande entreprise cherchait à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, si vous voulez y vendre un produit, il va vous poser 3 questions. 1, votre produit, oh, super, combien tu me le vends?
2, combien tu es capable de m'en produire? 3, c'est quoi l'empreinte carbone de ton produit? C'est quoi son bilan environnemental? Alors, pour ça, part de marché super important. Et si vous regardez, si vous faites affaire avec le gouvernement, il y a une nouvelle stratégie qui s'appelle la stratégie des marchés publics. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir de nouvelles contraintes pour faire affaire avec le gouvernement. Les contraintes, c'est qu'il va falloir que vous divulguiez votre impact sur l'environnement. Il va falloir que vous parliez de cycle de vie de votre produit de façon à avoir accès au marché public. Alors ça, c'est alors tout l'aspect marché, tout l'aspect de votre business, comment vous voulez la croître, c'est important tant au niveau privé que public. Alors le deuxième aspect, premier accès à votre coût de capital, deuxième, votre accès au marché. Bon, vous allez me dire, bien, correct, c'est pas si pire, pas pire, vous êtes en mesure. Ben, manque de personnel. On parle de pénurie. La ministre est partie. Bon, il y en a qui parlent de rareté de main-d'œuvre, il y en a d'autres qui vont parler de pénurie. Ben, ça veut dire qu'on cherche des employés. On se bat entre nous pour recruter des employés. Puis aujourd'hui, si vous lisez, ben, si vous avez des jeunes à la maison, là, ben, des jeunes. Pas si jeune que ça, mais dans vingtaine, dans trentaine, la génération, là, eux autres, là, ils veulent travailler puis être fiers. Fierté. Ils veulent être fiers de travailler pour une entreprise qui va faire des choses importantes, pas seulement dans la production, mais également pour la société, pour le climat. Ils veulent être mobilisés, ils veulent être impliqués. Et ce que un des aspects importants dans ce processus, appelons ça d'amélioration continue, parce que c'est vrai que c'est une amélioration continue d'économie verte en passant, parce que bien souvent, moi je ne vous ai même pas dit qu'est-ce qu'on faisait à Côte-à-Québec. Bon, je vous le dirai, on est la grappe des technologies propres, c'est-à-dire qu'on est un organisme à but non lucratif, on aide les entreprises qui ont des innovations à développer davantage leur innovation, à trouver du financement, puis à commercialiser leur innovation ici au Québec, au Canada, puis à l'international. Alors, on est financé par le gouvernement puis les entreprises privées. Alors, ça, c'est Écotech Québec. Et là, j'allais vous dire quelque chose. Il me semblait que c'était intéressant. Bon, mais en tout cas, au niveau de la main-d'œuvre, pardon? Les jeunes, ah, tu me parles de moi, ma jeunesse à moins de 24 ans. Merci, c'est vrai. Alors, tout ça pour dire que les études qui démontrent que les jeunes veulent être mobilisés là-dedans, puis veulent être fiers. Puis il y a quelqu'un qui me disait justement la semaine dernière, il dit, tabarnan, il faut que je sois fier, il faut que j'aie des bonnes histoires sur le climat. Je dis, pourquoi? Bien, c'est la fin de semaine de 3 jours qui s'en vient. Ouais, puis quoi? Là, nous autres, on veut faire un barbecue avec le beau-frère, il faut que je l'impressionne, il faut que je lui montre qu'on fait des choses pour le climat à choc chez nous. C'est ça aussi. C'est d'être mobilisé, c'est d'être vraiment partie prenante de ça. Puis ce qu'on s'aperçoit, bien sûr, puis vous en parlerez aux gens de compétitivaires Investissement Québec, qui disaient, parce qu'on a eu un cas la semaine dernière, qui disaient, bien, si tu veux t'améliorer, demande à tes employés comment faire pour améliorer ta production, comment faire pour réduire ton gaspillage, comment faire pour réduire ta consommation. Et vous allez voir que les gens vont se mobiliser puis ils vont trouver toutes sortes de façons d'être plus efficaces opérationnellement. Plus efficaces. On parlait de rentabilité, il faut que ça soit rentable. C'est sûr, si ce n'est pas rentable, ça ne marchera pas. Si ce n'est pas rentable, là, je vais aller vous chercher des amis dans mes groupes verts qui vont vous dire qu'il faut sauver la planète. Mais pour vous et pour la société, il faut que ça soit rentable. Il faut que ça soit rentable économiquement parlant. Il faut que ça soit rentable également pour la société, pour l'environnement. Maintenant, comment faire? Là, souvent, après ça, les gens me disent, OK, mais comment je fais?
comment je vais faire pour commencer ça, là? T'sais, on a déjà des petites idées. Vous vous faites aussi interpeller par toutes sortes de consultants ou d'organisations qui vont vous dire, bien, je peux vous aider, mais par où qu'on commence? Et c'est pour ça que ce matin, c'est super intéressant l'organisation de l'événement, parce que vous avez des groupes, des entreprises, des programmes ici ce matin qui peuvent vous aligner, c'est-à-dire qui peuvent vous donner des alignements, comment débuter le tout. Puis ce que je disais la semaine dernière à un entrepreneur, tu sais, il dit, ouais, comment je vais faire ça, là, tu sais, puis c'est un gars qui était massif, là, tu sais, puis bien pris. Comment je vais faire ça? Il me faisait penser à GSP, Georges Saint-Pierre. Tu sais, là, lui. Puis j'ai dit, en tout cas, ça commence pas par bet99.net, OK? Parce que lui, il dit, tout commence par bet99.net, mais c'est pas de même le processus en technologie propre ou en économie verte. Tu prends pas des guesses. Tu planifie, tu n'as pas besoin d'une grosse planification stratégique de 3 ans, là. C'est que tu y vas pas par pas, étape par étape, et vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un engrenage. Tu as les employés qui embarquent, tu as vos clients qui embarquent, tu as vos fournisseurs qui embarquent. Vos financiers vont aimer ça, vos employés vont aimer ça, et le marché également va aimer ça, et surtout vos voisins et la communauté, vous allez être de plus en plus fiers. Alors, tout ça pour dire en conclusion que on parle beaucoup de changement climatique. Je peux juste vous dire, là, oui, c'est important de parler climat, mais parler d'environnement aussi. Parce que le climat, c'est aussi les eaux, ressources, l'eau, l'air. Encore, il y avait des données qui disaient combien de morts prématurées à cause de la piètre qualité de l'air. Ici, au Québec, tu te dis, oh, comment ça se fait? On est grand, on est vaste, c'est vert. Chez nous, on n'est pas en Inde. Mais il y a des décès prématurés à cause de la qualité de l'air. Alors, tout ça pour dire, c'est de l'environnement. Le climat, ça fait partie de l'environnement. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment de voir comment on peut débuter le tout. On parle de changement climatique. Moi, je vois des changements de climat, mais de climat positif. Je vois des changements de climat au niveau des affaires, un changement de climat au niveau financier, un climat régional, un climat entrepreneur, un climat de société. C'est le temps pour vous. Ici, vous êtes un écosystème au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous le savez, là, hein? Vous êtes, les gens vous regardent, les gens du Québec vous regardent parce que vous avez toujours eu une longueur d'avance. T'sais, rappelez-vous, là, tout ce que vous avez fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des années, vous avez pris de leadership. T'sais, c'est un peu slinky aussi des fois. On prend le leadership, hop, on revient un peu, hop, on repart, on revient un peu. Alors, vous avez l'occasion, le fameux slinky, de repartir. Comment on repart? On ne repart pas en fou. On ne fait pas bet99.net, là. On y va de façon structurée, structurante, avec les intervenants du milieu. Puis je peux vous dire que moi, j'ai beaucoup confiance en la région. Et chez Cotec Québec, ce qu'on fait, c'est qu'on nous appelle souvent le Tinder de l'économie verte. Le Tinder parce qu'on rapproche du monde. On rapproche des entreprises avec des innovateurs. On rapproche des innovateurs avec des financiers. On rapproche des chercheurs avec des entreprises. Fait qu'on fait le Tinder de l'économie verte. Alors, comptez sur Ecotec Québec, comptez sur moi pour pouvoir revenir ici et contribuer au succès de votre région, au succès de l'économie verte. Si c'est un succès pour la région, ça va être un succès pour le Québec. Merci beaucoup pour votre attention. On va suivre attentivement également la stratégie sur l'hydrogène vert que dévoilera le gouvernement du Québec le 25 mai, 16h. Hein? Marie va suivre ça de très près. Alors maintenant, place au premier panel de discussion. Ce qu'a dit Denis, on va aller voir comment ça se vit
dans les entreprises, les nouvelles attentes d'éco-responsabilité pour les projets d'investissement et le développement de produits. Alors, je vais leur demander de monter sur la scène, de se prendre un verre d'eau en passant. Alors, je vous présente nos panélistes. Frédéric Vairaud, directeur exécutif, développement corporatif, Chantier Chibougamau. Carl Laberge, président directeur général, Port-Saguenay. Frédéric Gagnon, coordonnateur environnement à la mine Niobec. Audrey Bouchard, directrice générale, copropriétaire de la ferme Tournevent. Et Nicolas Gagnon, directeur général du Centre québécois de développement durable. Alors, bonjour à vous cinq. Merci de votre présence. Première question très, très simple et on va y aller un à la suite de l'autre. Et je vous invite à regarder le timer parce que notre temps est compté. On a 30 minutes ensemble. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette nouvelle économie verte et plus éco-responsable? Et en même temps, j'aimerais que vous me fassiez un petit portrait de votre organisation. Donc, je commence avec toi, Frédéric. Merci, Sandra. Bonjour à tous. Alors, Chantier Chibougamau, entreprise familiale fondée en 1961. Notre fondateur a eu 94 ans le 6 mars dernier et il travaille toujours encore au moins 6 jours par semaine. On a évidemment un complexe industriel d'importance à Chibougamau avec plus de 650 employés, bois d'ingénierie, bois d'œuvre, usine de pâte craft désormais à Lebel-sur-Quévillon qu'on a relancé dans les deux dernières années, usine de siège près d'Amos à Landrienne et robuste équipe de professionnels du bâtiment à Montréal. Donc plus de 1200 hommes et femmes choisissent à tous les matins de venir donner de la valeur aux arbres qu'on récolte. Donc c'est environ 15 millions d'arbres à tous les ans qu'on coupe afin de les transformer pour fabriquer des matériaux, des produits, des matières qui répondent à des besoins extrêmement dignes des humains, qu'il s'agisse de se loger pour construire des maisons avec nos 2x4 et nos poutrelles en I, ou d'infrastructures plus performantes au plan environnemental, justement pour de la construction à bas carbone, ou encore de la pâte craft qui est essentielle pour des produits d'hygiène personnelle, papier, tissu et emballage alimentaire qui remplace le plastique qui provient des hydrocarbures. Donc, c'est en résumé ce que fait Chantier Chibougamau. Le développement durable est arrivé chez nous un peu par accident. La première chose, bien, c'est qu'on est au Québec. Donc, comme Obélix, un peu maladroit, tombé dans la potion magique de la lutte au changement climatique, nos procédés reposent sur l'hydroélectricité, ce qui nous confère un avantage extraordinaire sur le reste de la planète jusqu'à la fin des temps pour tous les matériaux qu'on va produire. Et de fil en aiguille, avec d'ailleurs un étudiant de l'UQAC en éco-conseil, on s'est sensibilisé à ces questions-là pour en faire une pierre angulaire de notre stratégie d'affaires aujourd'hui. Merci, Frédéric. Carl Laberge, Port-Saguenay, on connaît beaucoup de choses de Port-Saguenay, mais peut-être pas tout. Alors, portrait de ton organisation, puis comment vous vous inscrivez dans cette nouvelle économie? Bien, rapidement, le port de Saguenay, c'est le seul port public du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est notre port, c'est notre lien avec le reste de la planète à l'international. On est chanceux d'avoir un port en eau profonde dans notre région. Quand M. Leclerc disait qu'on avait un peu tout, là, c'est vrai qu'on a tout presque autonome. Une des chances aussi qu'on a autour du port, c'est qu'on a beaucoup de terrain puis qu'on a dédié à de la vocation de développement industriel depuis le déménagement du port au milieu des années 80. Donc, c'est la vision que la région s'était donnée à partir de ce moment-là au niveau du port. Le transport maritime, quand on parle d'environnement, bien, on est chanceux, nous autres, parce que c'est le transport qui produit le moins d'effets sur l'environnement, je peux le dire comme ça, là, parce que c'est celui qui consomme le moins d'énergie par tonne de matière transportée pour chaque kilomètre. Donc, quand on se compare à d'autres moyens de transport terrestres ou comme l'avion. Donc, on est déjà sur une bonne voie par nos attributs naturels, je peux le dire comme ça, mais aussi l'industrie est très, très innovante, qui travaille très fort à les diminuer encore plus. Donc, on a beaucoup d'exemples là-dedans dans notre industrie. Donc, c'est très, très important. Puis au niveau du port de Saguenay, bien, on s'est donné une orientation dans nos dernières planifications stratégiques de mettre un emphase sur le développement durable de nos opérations, mais aussi du développement, puis de viser à avoir des projets
qui vont minimiser leur empreinte sur l'environnement, qui vont être durables, comme M. Leclerc le disait, dans le temps, qui vont être, c'est Éric qui disait ça tantôt, qu'il faut qu'ils soient durables, il faut qu'ils soient aussi rentables. Donc, c'est ce qu'on vise à avoir au fil des années chez nous. Et puis, pour ça, ben, on s'est fait aider par des gens localement. Tantôt, Sandra t'en nommait, là, le CQDD nous a accompagnés au niveau de notre planification stratégique là-dedans pour avoir notre plan de développement durable. Et puis, on travaille aussi avec les gens de la chaire en éco-conseil, M. Villeneuve aussi, de l'accompagnement là, pour les favoriser l'éco-conception des projets industriels. Merci, Carl. Frédéric, Mignobec, on est heureux que tu sois là, parce que c'est rare que Mignobec participe à des événements publics. Alors, parle-nous de la mine, puis comment vous inscrivez-vous? Mais je pense que ça fait un bon bout de temps que les mines s'inscrivent dans l'économie verte. Les mines et Mignobec aussi. Dans le fond, c'est Mignobec, je pense que tout le monde est peut-être au courant. Je sais pas c'est quoi Mignobec, là, mais on est un des principaux producteurs de niobium au monde. Il y a trois principaux producteurs dans le monde. On est la seule mine souterraine de niobium au monde à Saint-Honoré, en opération depuis plus de 45 ans, donc on a une bonne historique tout de même. Le niobium, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, qui est inscrit sur la liste des minéraux critiques et stratégiques, autant au provincial qu'au fédéral, donc qui est un métal d'avenir, qui n'est pas un métal qui est voué à disparaître là, dans une économie sobre en carbone. On a un bon historique de développement durable chez Niobec. On a toujours été un peu à l'avant-garde dans la manière autant de gérer nos matières résiduelles, nos ouvrages de rétention des résidus miniers. On a toujours essayé de travailler en amont par rapport au développement durable. On a toujours été en bonne position. Je dirais que dans les dernières années, les attentes des clients, les attentes à l'international s'accentuent de plus en plus et sont de plus en plus sévères. Ce qui fait que chez Niobec, on doit encore accélérer le pas encore. On était longtemps à l'avance, puis là, il faut encore courir après le train parce que les attentes du point de vue minier à l'international sont très élevées. C'est un métal, en fait, là, le niobium qui rentre beaucoup dans les aciers faiblement alliés, très faiblement alliés. Donc, dans tout ce qui est allègement des structures, allègement dans l'automobile, fabrication d'acier à haute résistance et en plus faible quantité. Je dirais que chez Niobec, qu'est-ce que ça veut dire, l'accélération des attentes en développement durable? Ça fait qu'on ne peut plus seulement prendre des opportunités qui nous sont offertes pour s'améliorer. On doit les chercher, on doit déterrer les opportunités. On est plus de 500 employés, puis je dirais que ce n'est pas trop 500 têtes pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans le futur. On a beaucoup de beaux projets là, qui sont sur la table, mais ça demande une réflexion. T'sais, dans l'industrie, il y a plusieurs industriels probablement dans la salle, là. Changer le bateau de bord dans l'industrie, ça demande de l'effort, ça demande des investissements. Chez Niobec, on a pour encore plus de 20 ans de vie de mine, donc c'est des investissements qui en valent la peine, puis c'est des investissements qu'on va faire. Donc, ça fait longtemps, je dirais que Niobec, on était un peu plus absent de la scène publique, mais je dirais que ça, c'est pas pour durer, là. On est de retour, puis on va travailler là, avec tous les entrepreneurs de la région, tous les intervenants de la région pour continuer à s'améliorer là, dans nos démarches de développement durable. Merci, Frédéric. Audrey, dans le domaine agroalimentaire. Oui, je détonne un peu aujourd'hui. Hein? C'est important d'avoir plusieurs visions. C'est l'objectif de ce matin. Donc, dans le domaine agroalimentaire, toi, tu as votre ferme, vous avez fait votre marque. Et comment ça s'inscrit? Donc, comment toi, tu t'inscris dans ce virage-là, si on peut dire? Bien, d'abord et avant tout, ferme Tournavant, c'est une ferme de grande culture biologique. Donc, c'est ça, on cultive sur plus de 500 hectares, tout en régie bio. On a des grandes cultures, mais des grandes cultures un peu spéciales. Chez nous, on cultive le chanvre, le canola, le lin, la cameline. On fait même pousser des légumineuses chez nous. Donc, oui, ça pousse au Québec, je vous le dis. On fait de l'ail également. Donc, ferme Tournavant, c'est une portion production agricole. Il y a une portion aussi nettoyage de grains. Donc, on a un centre de nettoyage de grains doté d'équipements super spécialisés, dont un trieur optique. Tout ça de grade alimentaire. Et on a la portion transformation alimentaire chez nous. Donc, c'est vraiment une intégration verticale. On a un modèle d'affaires un peu spécial chez nous. Pour ce qui est de nos actions en développement durable, bien, je vous dirais que dans le bio, quand on a commencé à travailler avec le CQDD, puis que c'était super important pour nous de faire un plan de développement durable, on s'est rendu compte qu'on en faisait déjà énormément là, des actions de développement durable chez nous. Je vous en donne quelques exemples.
On a parlé du côté social, mais le côté environnemental chez nous, ça prend toute sa place. Hein. Faut pas se leurrer que la terre, ben, c'est notre ressource primaire, donc c'est super important d'en prendre soin. Donc nous, ce qu'on fait chez nous, on fait des engrais verts, on fait du compost. Il n'y a pas d'herbicides, pas de pesticides non plus. Donc, on a quand même un gros défi de gérer tout ce qui est mauvaise herbe. Donc, on fait du travail mécanique. On fait des co-cultures. Des co-cultures, c'est vraiment le fun. C'est pour ça qu'on se permet d'avoir des légumineuses. On fait pousser une oléagineuse. Dans le fond, on fait pousser, il y a un terme spécial, on appelle ça du pinola. Par exemple, on va faire pousser du pois jaune avec des graines de canola bio. Puis ensemble, au lieu de tout le temps mettre d'engrais dans la terre, bien, la culture d'oléagineuse va venir mettre de l'azote dans le sol qui va nourrir la plante. Puis le centre de grains nous permet de séparer tous ces grains-là, puis de pouvoir avoir vraiment là, un grain parfait. Donc ça, c'est au niveau de la portion, je dirais, environnementale, mais tout ça s'installe dans la biodiversité. On a aussi, chez nous, on a des ruches pour que ça soit super important. On entend beaucoup le taux de mortalité des ruches, des abeilles. Puis nous, étant donné qu'on est dans le bio puis qu'on a plusieurs plantes, bien, on contribue justement là, à bien les nourrir. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? Bien, c'est ça. L'objectif de tout ça, c'est de garder des sols en santé. En gardant des sols en santé, bien, on assure la pérennité de l'agriculture chez nous. C'est super important. Donc, on a une petite famille, on voulait un environnement dans lequel on était bien. Donc, c'était sûr que pour chez nous, l'agriculture biologique, c'était pas juste une nécessité, c'était un choix logique. Voilà. Merci. Nicolas, c'est de la musique à tes oreilles. Hein? Tout à fait. Moi, je me rappelle du lancement de la Région Laboratoire de Développement Durable, l'ancêtre du CQDD. On était loin là, de cet engouement-là, je dirais. On sent vraiment un changement. Tu le sens? Oui, tout à fait. Bien, écoutez, je n'étais pas là il y a 30 ans, mais je peux dire que depuis une dizaine d'années, là, on sent vraiment la Moi, j'étais là il y a 30 ans. J'étais là, OK. Mais oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, puis je trouve que Denis l'a bien situé tout à l'heure. Peut-être vous présenter très brièvement le Centre québécois de développement durable, pour ceux qui ne le connaissent pas. On est dédié depuis 30 ans à soutenir les organisations pour accroître leur responsabilité sociale, les soutenir dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables. On est d'ailleurs une des rares organisations nationales au Québec qui est en région, parce qu'on est une création, comme tu disais, de la région, du Sommet économique de 91. Donc, 30 ans d'opérationnalisation du développement durable dans les organisations. Aujourd'hui, c'est 700 organisations qui ont été accompagnées dans une démarche de développement durable. 90 partenaires, dont Rio Tinto, qui est un de nos principaux partenaires pour le déploiement de nos initiatives dans la région. Ensuite, une belle équipe de professionnels, presque dans un mois, 15 professionnels dédiés à l'avancement du développement durable. Et on travaille principalement avec deux stratégies d'intervention. D'une part, des projets structurants pour soutenir les organisations PME Durable 02 dans la région, Économie circulaire Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Fonds Écolidaire, qu'on anime le réseau à l'échelle du Québec d'agents. Donc, différents leviers, puis à côté de ça, des services conseils d'accompagnement. Donc, et oui, les choses ont beaucoup évolué. Là, si je noterais trois éléments. D'une part, il y a 30 ans, puis moi je dirais dans mon cas, il y a une dizaine d'années, on était essentiellement des extraterrestres qu'on allait voir des organisations. On pouvait parler de l'hôtel Chicoutimi, d'Éric Larouche, de Nutrinor, mais sinon, on n'avait pas beaucoup de modèles. Là, ça a vraiment changé. 125 entreprises dans la région qui ont pris le virage. Deuxième des choses, c'est que maintenant, on travaille davantage avec les organismes de développement économique, avec Promotion Saguenay, la MRC du FIAR, la SADC du FIAR. En fait, on travaille avec l'écosystème régional et on les outille pour qu'ils soient en mesure de mieux soutenir les entreprises de la région. Puis la troisième chose, c'est que, les signaux du marché ont vraiment changé. On sent que maintenant, il y a des signaux de part et d'autre que j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure, plus en détail. Puis je veux qu'on en parle des signaux du marché, parce que je vois le temps filer. Et Denis en a parlé, le financement, on sent qu'il y a quelque chose qui change. Moi, j'ai parlé aux gens de Desjardins, aux gens de certaines institutions financières où la notion d'éco-responsabilité va venir
dans le financement, on le sent très, très fort. Mais vous, dans vos pratiques, là, comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous le sentez dans le développement de vos projets que cet aspect-là doit être considéré? Et je commencerai par Frédéric. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, tout ça vient majoritairement des pressions, justement. Ce qui fait qu'une accélération, je pense, des bonnes pratiques, ça vient d'une pression qui vient de part et d'autre. Autant des institutions financières, des clients, des assureurs, des employés, des ministères aussi, des processus d'autorisation. De plus en plus, on essaie d'avoir une vision qui est plus globale et qui n'est pas juste focusée sur les aspects environnementaux. Je dirais qu'on vend notre produit partout à travers le monde. Les pressions les plus fortes, on les ressent des clients provenant de l'Europe. En Europe, ils ont quand même une longueur d'avance sur nous, il ne faut pas se le cacher, sur les exigences qui leur sont dirigées. Ce qui fait que, comme on parlait tout à l'heure, là, M. Leclerc, c'est vraiment à partir des clients qui vont arriver avec leurs exigences, parce que eux, c'est vraiment le signal qu'ils nous envoient, aidez-nous à nous démarquer, puis on travaille ensemble, parce que si eux se démarquent, bien, ils continuent à produire, on continue à vendre notre produit, donc c'est tout au long de la chaîne que tout le monde veut s'entraider pour qu'au final, le produit fini qui est consommé, parce que c'est de là qu'il y a la pression au final. Il ne faut pas se le cacher. C'est nous, en tant que consommateurs, puis en tant qu'institution financière aussi, qui ont des exigences envers les produits qu'on consomme. Puis ça remonte la chaîne de production jusqu'aux matières premières, donc jusqu'aux mines, jusqu'aux producteurs de différents produits. Donc c'est vraiment, je dirais, dans les dernières années, on voit là, au niveau du risque de l'industrie minière, il y a McKinsey là, qui met à jour à chaque année le palmarès des risques. Dans les dernières années, les risques environnementaux, sociaux ont remonté, mais maintenant, ils occupent les quatre premières places. On parle de décarbonisation, acceptabilité sociale, tout ce qui est de ESG aussi, puis tout ce qui est de… On a vraiment les quatre premières places des risques de l'industrie minière dans le monde qui sont occupés par des aspects de développement durable. Donc, c'est une pression, je dirais, qui est vraiment de partout. Là. C'est difficile de dire vraiment de par où c'est arrivé, mais on se fait, dans le fond, montrer la voie du développement durable. D'ailleurs, il y a un nouveau rapport de l'ONU là, qui est paru aujourd'hui, qui sonne encore une fois l'alarme sur l'échec de l'humanité contre la crise environnementale. Vous pourrez lire ça dans la presse ce matin. Frédéric, tu le sens vraiment puis depuis longtemps. Audrey, est-ce que toi, tu as fait le choix? Mais est-ce que tu le sens aussi qu'il y a le désir des clients là, de te… Il y a les clients, mais il y a le côté financier que M. Leclerc a parlé tantôt. Chez nous, là, ça a été vraiment un salut. Hein. On sait que les petites PME n'ont pas toujours accès à du capital financier. Chez nous, on a eu la chance en novembre, il y a pratiquement 2 ans, on a eu un appel de fonds d'action chez nous, puis ils nous ont dit… Écoutez, on voit aller, on regarde qu'est-ce que vous faites, puis on est intéressé. On voudrait vous aider. C'est quoi votre rêve? Voulez-vous, où est-ce que vous en allez? Puis le tapis rouge, c'est un peu ouvert devant nous. Les possibilités de croître au lieu de prendre des dizaines d'années, bien pour nous, là, c'était un step de plus qu'on pouvait faire rapidement. Puis on a même eu la chance d'avoir une subvention en économie circulaire chez nous. Fait que c'est pas rien. Qu'on fait, c'est tout ce qui est chez nous, on n'appelle pas ça des déchets, on appelle ça des coproduits. On prend ce qui est encore, on presse le grain, on a un coproduit qui s'appelle le tourteau. Le tourteau, il est réutilisé à plusieurs essences. Il est utilisé pour faire de la farine, de l'alimentation animale, retourner au champ pour faire de l'amendement, utiliser un peu pour rajouter de l'azote au sol. Mais le tourteau aussi peut être utilisé pour faire de l'alimentation animale. Par ailleurs, je voudrais vous dire que c'est tellement en demande qu'on en manque. D'ailleurs, il y a un producteur qui nous a appelé, il a dit « Depuis que j'en donne à mes vaches, j'ai plus de gras dans mon lait, donc c'est beaucoup plus payant pour lui. » C'est de voir à quel point le déchet de quelqu'un peut devenir une richesse chez l'autre. Donc, pour toutes nos actions qu'on a faites chez nous, puis l'accompagnement qu'on a eu, puis la subvention d'économie circulaire, bien, ça nous a juste donné un petit coup dans le dos en disant, bien, continuez dans cette veine-là. Chose qu'on avait déjà, l'économie circulaire, ça fait partie de notre mission, ça fait partie de notre vision, on la vit tous les jours. Chez nous, on fait du compost, on recycle. Tous nos emballages alimentaires ont été pensés à l'éco-conception du début jusqu'à la fin.
On n'a pas voulu mettre d'angle beaucoup. Là. On a pris vraiment des cartons bruts emballés. Fait, tout ça, là, c'est super important parce que c'est sûr que nous, ça nous touche davantage, je vous dirais, parce qu'on vit avec l'environnement. Donc, tout ça, ça a été super gagnant à date. Donc, on ne regrette pas puis on va continuer vous dans allez cette continuer. Veine-là. Oui. Frédéric Vérot, 1150 hommes et femmes, tu l'as dit tout à l'heure, une grosse organisation. Chez vous, est-ce que vous avez dû prendre le virage longtemps? Parce que ça, est-ce que ça a un impact sur le financement et les projets? En fait, on n'a pas pris un virage, Sandra, puis tu parles de 1150 hommes et femmes, mais j'ai oublié de glisser un mot sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la place de la région dans notre quotidien. Et c'est néanmoins plus de 30 millions de dollars par année en biens et services qu'on achète au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça, c'en est un geste de développement durable dans ta chaîne d'approvisionnement, cette proximité-là avec tes intrants, avec les gens qui viennent supporter tes opérations. Bien, c'est une addition de gestes qui font une différence, qui est pragmatique, qui est mesurée et qui est concrète. On parle beaucoup de virage puis de transition. On s'inscrit un peu en faux sur ce plan-là. T'sais, pour nous, ce n'est pas un virage, pas une transition. On fait de la business. Faire de la business, c'est quoi dans la vie? C'est de contrôler tes coûts. Et tes coûts, on le voit avec l'inflation du coût des matières premières. Bien, moins tu consommes de matières premières pour produire la même affaire, plus tu vas être compétitif. Et qu'il s'agisse de matières premières comme les hydrocarbures dans tes procédés, t'sais, on a pris des décisions d'affaires. Dans une de nos usines, le mazout est nécessaire pour générer de la chaleur dans le procédé. Ça prend une grosse source de chaleur. En février, pas 98, en février 2022, on faisait nos budgets, le mazout était 61 sous le litre avec les futures pour l'année qui suivait. Et aujourd'hui, il est 96 sous le litre. Bien, chaque litre de mazout qu'on ne consomme pas se traduit par une économie qui est majeure. Ça résulte dans la compétitivité accrue. Ça permet de répondre aux aspirations de nos clients qui, eux, veulent effectivement les intrants qui ont la moins grande empreinte environnementale possible. Donc, c'est des décisions d'affaires sur nos coûts de production, notre compétitivité, sur les besoins et les aspirations de nos clients auxquels il faut répondre. Puis entre les deux, il y a un bout d'intégrité corporative. Tu sais, quand on est en business, oui, on veut être prospère, on veut faire de l'argent, mais on n'est pas juste là pour se servir, on est aussi là pour servir. Et la manière de servir dépend de ces pratiques, de ces choix-là que l'on fait. Et c'est à un moment donné, tu regardes dans le miroir le matin quand tu te brosses les dents, tu es un peu tout croche. Tu sais, est-ce que je prends des décisions au quotidien qui permettent de faire les choses le mieux possible, que mes impacts soient les moins pires possibles? Et c'est avec des principes de gros bon sens comme ceux-là qu'on bouge au quotidien. Et le défi, il est aussi humain, puisque tu as bien beau avoir des politiques de développement durable et des initiatives de ESG, tout ça peut être dans le registre du marketing corporatif plutôt stérile. Il faut que les bottines suivent les babines. Et les bottines, bien, c'est 1150 hommes et femmes qui portent les bottines. Et il y a un défi de pédagogie pour que le monde embarque puis comprenne c'est quoi le cycle de vie, c'est quoi le carbone. Et si les gens ne comprennent pas ça, ne se l'approprient pas, bien, la décision de disposer d'une matière résiduelle d'une manière ou d'une autre, c'est eux qui doivent la faire de façon automatique au quotidien et non pas avec du top-down, d'une directive et d'une politique. Donc, c'est un immense défi. Puis, oui, c'est un pas à la fois, mais il faut se parler business. Puis, transition, non, c'est pas transition. Un matin, ça prend les meilleures sources d'énergie possibles, ça prend les meilleures réponses logistiques possibles, ça prend plus de voyage à linge. C'est des éléments de gros bon sens comme ceux-là qui réduisent nos coûts. Puis, tu sais, on est tous là pour faire de la business, pour être rentable. Puis, c'est des fondamentaux comme ceux-là qui nous drivent. Carl, comment ça se vit au port? Comment est-ce qu'on se démarque pour aller chercher des nouveaux contrats, profiter d'opportunités, financer des projets? Est-ce que tu le sens, ça, que l'éco-responsabilité ou cette mouvance-là est un incontournable? Bien, on le sent, c'est une tendance qui est très, très forte dans les marchés. Tout ce qu'on consomme est transporté en quelque part. Donc, au niveau de la chaîne logistique, évidemment, là, il y a un désir fort là, de décarboner, de faire mieux au travers de ça. Donc, on le voit dans le milieu maritime. Et les ports, on est des hubs en bon français. Là. C'est des lieux de convergence au niveau des modes de transport. Donc, c'est des lieux qui sont privilégiés pour être capables d'optimiser ça, de prendre toujours le bon moyen de transport, celui qui va être le plus approprié. Mais aussi, si je vois un petit peu plus du côté de développement industriel qu'on a, on le sent énormément. Dans le type de projet qu'on voit arriver et dans ce qui est demandé. Là. Les types de projets, c'est seulement les meilleurs projets qui vont passer, c'est seulement ceux qui vont être capables d'être financés. On parlait de financement tout à l'heure. Là.
Le marché demande ça aujourd'hui, d'avoir des productions qui vont être à zéro carbone, qui vont être à impact limité. Puis, là, dans ce positionnement-là, au niveau de Saguenay, on est extrêmement chanceux parce qu'on a tout ce qu'il faut pour être capable de réussir là-dedans avec nos facilités portuaires, avec la chaîne logistique qu'on est possible d'avoir, mais avec aussi l'environnement qu'on a autour. On est dans une région forestière où il est capable de développer des produits. Là, par exemple, on a chez nous, là, on est le plus gros lieu d'exportation de granules énergétiques actuellement, là, au Québec pratiquement. Là. C'est un exemple de choses qu'on est capable de faire chez nous, de produits qui vont nous avantager à être capable d'attirer d'autres entreprises. La disponibilité électrique aussi, c'est vrai partout au Québec, mais si on vient ajouter ça avec nos avantages logistiques, avec les avantages de possibilités de développement, c'est quelque chose qui vient nous distinguer et qui va faire qu'on va réussir au travers de tout ça. Merci, Carl. Mot de la fin. En fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des signaux du marché, autant des grands donneurs d'ordre. Puis on le voit, là, le volume d'achat de ces grands donneurs d'ordre-là avec des critères de développement durable augmente. Donc, ce n'est pas juste le nombre qui augmente, mais aussi le volume d'achat. Au niveau des consommateurs, bien, je pense que les signaux sont de plus en plus clairs. On parle de 2 consommateurs sur 3 au Québec qui veulent avoir plus d'informations sur les produits éco-responsables. Au niveau des investisseurs, j'en glisse un mot, parce que Denis a parlé des grands investisseurs tout à l'heure, mais si on regarde juste le financement qui est dédié aux PME, ça a augmenté de 600% le nombre de programmes du gouvernement du Québec qui intègrent des critères de développement durable. Et la main-d'œuvre, parce que tu en as parlé un peu, Frédéric, ça, je pense qu'on ne fait pas souvent le lien avec les pratiques éco-responsables, mais si on regarde le portrait 360 sur les aspirations de la main-d'œuvre qui a été publié en 2020, l'étude la plus importante jamais publiée sur la main-d'œuvre au Québec, ils ont fait 5 grands constats, et un de ces constats-là, c'est l'importance accordée à la responsabilité sociale d'entreprise, au bilan environnemental. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de 85% qui accordent l'importance, toutes générations confondues. Quand on regarde les milléniaux, ça monte à 85%. Puis quand on regarde les illéniaux qui sont en train de faire leur entrée sur le marché du travail, ça augmente à plus de 90%. Donc, les générations changent, les attentes changent, et c'est clair que si on veut se positionner dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est un élément de plus à aller chercher à son âge. Merci, Nicolas. Et pour répondre à Denis, on est vraiment en pénurie de main-d'œuvre. Hein? Nous étions ensemble... Monsieur Vairot et moi, la semaine dernière, lors du regroupement des présidents des conseils régionaux du marché du travail du Québec, et le sous-ministre nous a dit « Maintenant, on passe de rareté à pénurie. » On l'assume. Alors, ça fut court. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Les gens pourront avoir accès à vous dans la salle. Merci. On va vous demander de quitter la scène tranquillement. Merci beaucoup.
Alors maintenant, place au deuxième panel de discussion qui porte sur l'hydrogène vert pour le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je vous présente à l'instant et je vous demanderai de monter sur la scène et de vous prendre un verre d'eau. Marie Lapointe, directrice exécutive d'Hydrogène Québec. Jean Paquin, PDG du consortium SAF+. Philippe Tanguy, directeur de la stratégie Québec, Hashtag. Et Jacques Gauthier de Gilbert Énergie, président depuis hier. Alors, on a un petit peu trop de chaises sur la scène. Choisissez votre préféré, elles sont toutes pareilles. Alors, bonjour à vous quatre, bienvenue. Merci de vous être déplacés de la métropole à ici hier soir. Donc, on a pu souper ensemble hier soir, faire connaissance, mais les gens vous connaissent peut-être pas. Alors, j'aimerais dans un premier temps que vous nous fassiez le portrait de votre organisation, afin qu'on puisse vous découvrir. Marie, tout d'abord, qu'est-ce que ça fait, ça, Hydrogène Québec? Bien, d'abord, je voudrais te remercier de nous avoir invités à ce panel-là aujourd'hui. C'est vraiment fantastique et ça arrive à point parce qu'il y a une stratégie d'hydrogène qui s'en vient dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, on est très contents d'être ici parce que on pense à plein d'initiatives au Saguenay depuis plusieurs mois, puis on travaille avec plusieurs partenaires. Donc, Hydrogène Québec, c'est une coalition qui a été fondée en janvier 2020, dont le but est de soutenir les projets d'hydrogène parce qu'on trouvait, il y avait des leaders qui trouvaient qu'on ne parlait pas assez d'hydrogène et que c'est un vecteur de décarbonation pour les activités. Donc, pour les activités industrielles, pour les activités de transport et aussi de valorisation du CO2. Pour en faire d'autres produits, pour être capable de décarboner nos activités au Québec. Donc, c'est notre but, notre mission, c'est ça. C'est de soutenir tous les projets, publics et privés, pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre d'ici 20 ans. Jean Paquin, parle-nous de SAF+. Ben oui. Vous m'entendez bien, j'espère. Oui, c'est bon. Merci de nous avoir invités. Merci au groupe Gilbert qui a été assez généreux de penser à nous comme étant un projet intéressant à vous présenter, à parler, à discuter, à échanger avec vous aujourd'hui au Saguenay. Je dois vous admettre que je ne viens pas ici très souvent, mais depuis que je connais ma chère conjointe qui est de Arvida, ben, je suis un petit peu plus obligé de venir. Et ça me fait absolument plaisir de vous voir, de vous connaître, puis de pouvoir mélanger l'aspect personnel et l'aspect professionnel. Et je trouve que vous avez vraiment un dynamisme là, assez spécial. Je voyage beaucoup, puis je ne vois pas ça très souvent. Donc, félicitations. J'aime beaucoup vous voir aujourd'hui parler de notre projet. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, il s'agit tout simplement de décarboner l'aviation commerciale. Donc, décarboner l'aviation commerciale, ça ne se fait pas en diminuant seulement les vols ou en fabriquant des avions plus efficaces. On arrive dans les limites là, avec les nouvelles technologies, les nouvelles générations d'avions, à décarboner relativement bien et puis avec un haut taux de décarbonation. Mais il y a des limites technologiques, il y a des limites logistiques. La seule et unique façon de décarboner des transports difficiles, puis il y avait un terme hier, moi je le disais en anglais, mais je ne savais pas en français c'était quoi, mais anyway, c'est « hard to abate » qu'on dit en anglais, donc ça veut dire « difficile à décarboner », l'aviation en est un, il n'y a pas 50 000 solutions, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais l'acronyme SAF, donc du « Sustainable Aviation Fuel », et c'est une façon, et la seule et unique pour l'instant et pour les prochaines décennies, d'assurer la survie, les opérations de l'aviation et qu'elle rencontre ses objectifs de décarbonation. Donc, ce qu'on fait, nous, à Montréal, on a une usine pilote. C'est une petite usine, mais c'est la plus grosse en Amérique du Nord.
On appelle ça de l'électro-SAF. Donc, on entend souvent parler de biocarburant. Les bio, c'est une chose. Nous, on fait avec l'énergie du Québec, les électrons verts du Québec, avec des mégawatts québécois. On le mélange avec le CO2 québécois et puis on sous forme de réaction chimique. On produit un kérosène qui est exactement le même kérosène utilisé dans les avions, qui est un kérosène synthétique. Ce kérosène-là a un très, très grand avantage. Il réduit l'empreinte du cycle de vie du kérosène de la production conventionnelle de 83 %. Donc, quand on parlait tantôt, et j'écoutais Denis, je côtoie assez souvent Denis et je comprends très bien sa ligne de pensée, il faut aller au-delà de juste une petite décarbonation timide. Il faut aller, pour réussir à atteindre nos objectifs, il faut avoir des bris de paradigme, il faut changer les technologies et il faut avoir des solutions qui apportent des décarbonations importantes. Donc ici, on parle de presque 100 % du cycle de vie de la production qui est réduite. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le graphisme, mais j'avais un graphique. Alors, pour ceux et celles qui sont en ligne, si vous le voyez, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais si vous avez besoin d'informations, je vous la donnerai par la suite. On vous fera parvenir les PowerPoints que vous avez préparés sans problème. Merci, Jean. Philippe Tanguy, avec qui j'ai eu le bonheur de manger hier et de découvrir sa vie, où il fait le tour du monde. Alors, M. Tanguy, qu'est-ce que c'est votre organisation? Bon, écoutez, donc, bonjour à tous et donc, merci pour cette aimable invitation. Donc, écoutez, je vais vous parler de Hashtag et ensuite je vais vous parler de Hashtag Québec parce que ce sont deux choses qui sont quand même différentes. Donc, Hashtag, c'est une société basée à Vancouver, née en 2005, créée par un personnage qui a eu une vision à l'époque, qui était de décarboner les transports avec l'hydrogène, en 2005. Premier fait d'armes de Hashtag, les Jeux olympiques de 2010. En fait, il y a une autoroute de l'hydrogène qui est créée entre Vancouver et Whistler et qui va donc consister à équiper cette autoroute avec des autobus qui vont monter les athlètes et qui vont également donc monter les spectateurs et qui vont faire la navette, en fait, entre les deux sites. Et ce projet-là va durer 4 ans. Et donc, pendant 4 ans, il va y avoir 22 autobus qui vont tous les jours monter et descendre entre Whistler et Vancouver. Tout s'arrête en 2013 parce que, figurez-vous, que l'hydrogène vert venait du Québec, venait de Bécancour, qui traversait tout le Canada pour alimenter la côte ouest. Donc, vous comprenez que politiquement, sur la côte ouest, ça passait assez mal. Et donc, finalement, le gouvernement de Colombie-Britannique n'a pas vu vraiment son intérêt. Il a dit, on arrête tout. Bon. Mais Hashtag ne s'est pas arrêté là. Et en fait, ça correspond à peu près à la période où les premiers mandats zéro émission pour les véhicules arrivent, en particulier en Californie, mais également sur la côte ouest. Donc finalement, Hashtag va s'engouffrer dans ce marché-là et va commencer le développement de stations de ravitaillement. Donc on va passer par des stations essence, c'est des stations hydrogène. Donc pour finalement alimenter les véhicules qui commencent à arriver sur le marché. Véhicules dont vous savez qu'ils étaient à l'origine asiatiques et allemands et qui sont depuis lors pour les véhicules automobiles que asiatiques. Au Québec, Hashtag flaire également, je dirais, un marché potentiel. Et bien, s'associer avec Arnois Énergie en 2018 pour construire une station hydrogène, qui va être la première, qui est sur le boulevard Hamel à Québec. Et cette station-là va alimenter les 53 Mirai Toyota que le Québec a acheté, donc 50 pour le gouvernement et 3 autres pour une entreprise privée. Et donc, c'est la seule station. Mais clairement, l'arrivée des mandats zéro émission au Québec fait que Hashtag se dit il y a un marché qui est différent de la côte ouest, qui est spécifique et qu'il faut que l'on aborde. Et donc, Hashtag décide de créer Hashtag Québec. Et donc, c'est une décision qui est prise il y a quelques temps. Et en fait, m'embauche tout simplement avec donc une équipe déjà existante pour créer une entreprise. Donc, en fait, Hashtag Québec, ça ne s'appellera d'ailleurs pas Hashtag Québec, va être une entreprise indépendante qui sera créé dans les prochains mois avec des partenaires québécois, donc ça va être une co-entreprise, avec un mandat très précis, qui est la construction d'écosystèmes régionaux dans lesquels on va produire de l'hydrogène et que l'on va utiliser localement. En fait, l'hydrogène, ça se transporte relativement mal. Donc, quand vous le produisez, vous le consommez. Alors, les bassins de consommation, on les comprend très bien.
Il y a le transport, il y a l'industrie lourde, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est clairement une approche régionale qui est importante. C'est-à-dire tout ce que j'ai entendu ce matin va dans cette direction-là et c'est la bonne direction. Donc ça, c'est un point très important. Donc l'idée, c'est vraiment décarboner les régions du Québec. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est éliminer l'importation, finalement, de carburants fossiles. Parce qu'en fait, on a une double importation. On a une importation entre l'extérieur du Québec et le Québec, et on a une importation entre les raffineries du Québec et les régions. Donc, éliminons ça. Alors, les scientifiques, ça parle beaucoup aussi. N'est-ce là. Pas? Hein? N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'était une bonne idée d'inviter Jean-Philippe. Merci, Jean. C'est moi qui les invite. Jacques Gauthier, c'est nouveau, donc depuis hier, c'est une annonce, une grande annonce aujourd'hui. Oui. Gilbert Énergie, donc Groupe Gilbert, dont je vais parler, président. Dont je vais parler quelques minutes. oui, Gilbert Énergie est né le 18 mai, donc hier, officiellement, bien que l'on y travaille depuis plusieurs mois avec mon partenaire Maxime. Gilbert Énergie est une filiale à part entière du groupe Fernand Gilbert, bien connu dans le domaine du génie civil, de la construction et du transport, ici notamment en région, une entreprise de plus de 60 ans d'existence. Gilbert Énergie a pour mission de devenir un producteur privé d'électricité renouvelable, autant dans le domaine de l'éolien que dans le secteur des combustibles, notamment avec mes collègues dans les biocombustibles et dans l'hydrogène. Elle a également pour objectif d'utiliser la biomasse pour réaliser la biomasse forestière, résiduelle forestière, pour réaliser certains projets. Donc, on entend être très actif dans le développement de projets d'énergie renouvelable. Merci, Jacques. Merci. Wow! Oui. Hein? Rien de moins. Rien de moins. Faut dire que c'est un peu fini. Naturel. Ah! C'est pas fini. Non, ben, c'est la surprise. Il semblait. J'ai bien connu, dans ma vie antérieure, j'ai été avec Boralex et avec Kruger Energy, donc c'est un retour aux sources et c'est fort agréable. Il y a beaucoup de commentaires sur l'hydrogène, hein, vert, on en a vu au cours des dernières semaines. Claude Villeneuve, on l'a pu le lire, je lui ai parlé d'ailleurs hier, il ne pouvait pas être là ce matin, très intéressé par l'événement. Donc, on décrit l'hydrogène vert, certains comme l'Eldorado de l'énergie du futur, et par d'autres, bien, est-ce qu'on utilisera trop d'énergie conventionnelle? Je veux savoir votre point de vue. Et là, je vous donne 2 minutes chacun. Oui, c'est parfait. Hein? Oui, je vais Marie? Commencer. Oui. Bien, je vous dirais que si c'est pas un miracle, c'est pas un mirage non plus. OK? Et pourquoi? Bien, c'est parce que l'hydrogène vert, c'est un nouveau truc. L'hydrogène, en fait, c'est M. Tanguy qui me l'a montré, ça existe dans l'industrie depuis plus de 100 ans. En gros, c'était pour ça vient des produits fossiles et ça a servi au début pour fabriquer des engrais. Bien, la majorité des engrais qui existaient jusqu'à présent étaient de sources fossiles. Carboné. Alors, on a eu une belle présentation ce matin avec Tournevent. Hein? Donc, imaginez juste ça, utiliser de l'hydrogène pas carboné pour décarboner les engrais dans le monde, ça représenterait 3 % des gaz à effet de serre dans le monde. Donc, déjà là, juste pour vous dire, c'est quelque chose de formidable. L'hydrogène vert, c'est quoi? C'est un procédé qu'on obtient grâce à de l'électricité renouvelable. Alors, comprenez pourquoi on regarde le Québec présentement, puis c'est un buzzword. C'est pas compliqué, chère Sandra, c'est parce que Hydro-Québec produit de l'électricité à 99 % d'énergie renouvelable. Ça veut dire hydro, éolien, autre. Et ça, c'est déjà une très, très grande richesse que le Québec a. C'est pour ça que les États-Unis nous regardent. L'Europe voudra avoir de l'hydrogène vert. Tout le monde voudra avoir de l'hydrogène vert du Québec. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, on peut dire quelques décennies, on a mis au point fabrication d'hydrogène vert qu'on peut obtenir de plusieurs façons. Un, on brise par l'électrolyse de l'eau, donc on brise la molécule d'eau. Le H2O devient du H2, puis il y a de l'oxygène qui s'en va dans l'atmosphère.
ou encore, on peut l'obtenir également par la biomasse forestière ou la biomasse d'agriculture. Donc, on a tout ça au Saguenay. Imaginez, on est capable de décarboner. Ce que ça fait, l'hydrogène, en plus, ça peut avoir des applications partout où on ne peut pas électrifier. Nous, c'est de l'électrification secondaire. On n'est pas en compétition avec l'électrification. Partout où on peut électrifier, parfait. C'est plus efficace. C'est parfait, on en convient. Mais il y a des procédés industriels qui vont avoir, surtout les pétrochimiques, qui ont besoin, où il y a des besoins de flammes, où il y a des besoins d'isothermes, où il y a des besoins des centres de coulée, par exemple. Peut-être des usines d'anode, peut-être des procédés comme Vaudreuil, par exemple. Des aciéries, des alumineries, des minerais de fer dans le nord, hein? Fer et titane. Donc, plusieurs, on est chanceux, on a beaucoup de mines, on a beaucoup d'usines. Utiliser l'hydrogène au bon endroit, au bon coût, évidemment, il faut que le coût de l'hydrogène devienne compétitif, c'est une option parmi d'autres, parmi les entreprises. Les minières, les compagnies, on n'a pas entendu parler ce matin. J'ai commencé ma carrière à Niobec, puis j'ai passé 25 ans à Rio Tinto. C'est clair qu'on a été élevé ici déjà avec ces principes-là. Les principes de développement durable et d'économie circulaire, on les a déjà ici. Ça fait très longtemps qu'on baisse la consommation. Donc, ça déplace l'hydrogène, le diesel, ça déplace le mazout. Oui, c'est très bien baisser le mazout. L'éliminer, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'on veut travailler. Avec nos membres, on a plus de 50 membres depuis moins d'un an, qui sont prêts à travailler avec les industries, qui sont prêts à travailler avec tous les gens qui veulent amorcer ce virage-là pour éliminer le fossile, comme le disait Philippe. Application industrielle, application de transport, groupe Gilbert pourrait être le premier endroit, puis valorisation des CO2. Donc, des applications merveilleuses. Voilà. Jacques? Que l'hydrogène, on a tenté de développer ici au Québec, il y a plus de 30 ans, cette filière-là. Et ça n'a pas levé. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'électrifier les transports, notamment. C'était pas à la mode. Aujourd'hui, c'est à la mode. Est-ce que vous passez une journée sans parler d'émissions de gaz à effet de serre, d'électrification, d'énergie verte, développement durable? Pratiquement, on parle de ça tout le temps. Or, l'hydrogène est un complément essentiel aux batteries. Alors, la vraie question, c'est veut-on poursuivre l'électrification? La réponse est oui. L'autre vraie question, c'est est-ce qu'on utilise l'électricité verte à bon escient? En développant un carburant qui est essentiel aux batteries, c'est certain qu'on utilise l'électricité verte à bon escient. D'autant plus que ceux qui parlent de crypto-monnaie et compagnie ne laissent rien dans l'économie actuellement au niveau de l'électricité. Alors, l'hydrogène, il faut retenir deux choses. Élément essentiel comme complément aux batteries et surtout une nouvelle mode qui va décarboner significativement l'industrie des transports. Alors, c'est essentiel, c'est un tournant qu'il faut poursuivre. On a besoin d'hydrogène pour décarboner. Et on a besoin d'hydrogène, essentiellement. Alors, Philippe l'a mentionné, l'hydrogène, ça se transporte mal. Donc, il faut développer des hubs régionaux. Et il faut que l'usage de notre hydrogène se fasse en région. Alors, au Saguenay, on veut faire un hub d'hydrogène. On va en faire un à Bécancour, vous l'entendez. On va en faire un à Québec, on va en faire un à Montréal, à Trois-Rivières. Bref, on veut étendre des hubs régionaux pour faire vivre l'hydrogène et la consommer adéquatement. Voilà. Et en plus, on parle de transport lourd depuis tantôt, mais il y a le transport ferroviaire, il y a du travail. Alstom a des trains de passagers en Europe. Il aimerait peut-être venir dans les prochaines années faire une démonstration ici. On est en train de regarder pour décarboner les locomotives. Il y a déjà des tests à Edmonton. Cette île est très intéressée, donc ça peut servir à ça. Puis il y a le transport maritime. Donc la région, encore une fois, est impliquée avec le port de Saguenay qui est très intéressé. On a parlé des avantages un peu. Ça, pour le commun des mortels, là, ça semble un peu complexe, cette affaire-là. Donc, Philippe et Jean,
C'est quoi les principaux avantages puis les secteurs là, qui peuvent bénéficier? On en a parlé un petit peu, mais essayez de nous mettre ça concret. Là. Je vois Denis Villeneuve du quotidien. Là. Je pense à comment il va écrire ça demain dans le journal, là, aujourd'hui. Là. Quels sont les principaux avantages puis les secteurs qui peuvent bénéficier de l'hydrogène vert? Tu me permets? Bien sûr, Jean. Bon. C'est vrai que quand on regarde, nous, des projets, puis vous allez comprendre bien, où je m'en vais avec ça, quand on regarde des projets, la première chose qu'on regarde, c'est le potentiel énergétique. L'énergie, ce qu'on appelle en anglais le « power to liquid », la puissance vers le liquide, est extrêmement importante pour la décarbonation de certains secteurs. On en a parlé tantôt de l'aviation. Une des premières craintes, disons, des investisseurs, craintes des participants et des parties prenantes avec l'hydrogène, puis elle est importante là, d'être mentionnée, c'est, on en a parlé tantôt, la volatilité de l'hydrogène, la difficulté de le mettre dans un contexte d'infrastructure. On est en train de mettre et de regarder les projets qui ont un potentiel d'être mis en place dans des infrastructures existantes. Et je m'explique, quand on fabrique et on a un produit qui est créé à même une réaction chimique, puis qu'on a transformé déjà l'hydrogène dans un produit final qu'on peut réintégrer dans une infrastructure, on est capable de monter la filière hydrogène un peu sur le dos de l'existence de l'infrastructure, de l'aviation par exemple ou autre. C'est sûr que dans le camionnage ou encore que dans d'autres secteurs, c'est plus difficile parce que c'est toujours un peu la course entre on a-tu l'infrastructure, on a-tu l'énergie. Il faut mettre l'infrastructure, mais on va-tu avoir l'énergie? Puis là, oui, on va faire les investissements pour l'énergie, on va-tu avoir… C'est un petit peu plus difficile. Ça se fait parfaitement. Et je peux vous dire d'expérience, parce que je vais en Europe assez régulièrement, c'est déjà en marche. Puis les gros hubs vont exister et ils sont là. Et les grosses entreprises qui sont basées en Allemagne, en France, en Espagne, sont déjà en train de mettre en place exactement ce que vous avez en tête ici. Donc moi, je vous dis d'un secret qui n'est pas polichinelle du tout, mais qui est un secret bien gardé dans le monde de l'industrie. Ceux et celles qui vont être à l'avant-garde de l'hydrogène, puis qui vont être à l'avant-garde de la power to liquid et des stratégies de power to liquid régionales, parce que ce sont des calls ou des plays, des jeux régionaux. On ne peut pas déplacer l'aviation, on ne peut pas prendre l'avion puis dire tu vas aller à station-service là-bas, puis tu vas changer tes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ceux et celles qui vont avoir mis en place ces infrastructures-là vont être les pionniers en développement. Au Québec, on le sait, on a la chance d'avoir de l'énergie qui est une des moins chères sur la planète et ça attire beaucoup de monde. Ce qu'on ne veut pas au Québec, puis je pense que le gouvernement a été très clair vendredi dernier pour ceux et celles qui écoutaient la conférence de Fitzgibbon à la Chambre de commerce, on ne veut pas prendre cette énergie et l'envoyer à l'extérieur sous forme X. On veut la garder, on veut que l'économie, on veut valoriser cette énergie dans un contexte économique local et de croissance. C'est extrêmement important, donc je vous le dis… Mais c'est pour décarboner notre économie en oui, premier. Il oui, faut que ça serve à ça. Absolument. Puis, voilà, ça. Puis vraiment, c'est un bon point. On en parlait beaucoup, Marie et moi. Puis en passant, j'adore son dynamisme. C'est extraordinaire que vous avez une femme comme Marie. Non, sérieux. Parce que ça en prend du monde comme ça qui met sur la carte le monde de l'hydrogène. Je vous dis, c'est vraiment, vous avez une championne. Alors moi, Marie, je suis super content. Vraiment, je te le dis. J'ai trouvé mon leader au niveau hydrogène. Donc voilà. Mais des champions, il y en a beaucoup. Puis avant que Philippe dise, ce qu'on a fait, comme on pourra en parler tantôt, ça pourrait contribuer à 15 % de la réduction du 80 millions de tonnes de CO2 qu'on doit décarboner d'ici 25 ans. Donc, c'est une niche, mais une niche à bon escient. Philippe. Oui, Marie, je ne suis pas le seul à parler. Ah! Oui, puis il faut qu'on se garde du temps parce qu'il faut parler du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comment on peut se positionner, puis comment voilà, arriver à tirer profit de ça. Là. Alors, gardez-vous un peu de temps. Là. Alors, Philippe, les avantages, les secteurs qui peuvent bénéficier. Si on regarde notre économie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas répéter. Si on résume, décarbonation des transports, soit sous forme hydrogène pur, soit sous forme d'hydrogène, je dirais, utilisé pour faire des SAF. Je crois qu'on est tous bien alignés là-dessus.
Stockage long terme énergie renouvelable. Alors, évidemment, je salue la création de Gilbert Énergie qui va être également un partenaire pour nous. Stockage long terme énergie renouvelable, c'est très important parce que vous êtes sur des énergies intermittentes et qui peuvent être en excès de production par rapport à ce que peut accepter le réseau électrique. Donc, il faut stocker. Et vous n'allez pas stocker sur des batteries. Vous allez stocker 6 heures sur des batteries. Vous n'allez pas stocker beaucoup plus que 6 heures parce que ça va vous coûter une fortune. Donc, le stockage chimique, il n'est pas apparu pour rien dans les systèmes énergétiques. Hein. C'est qu'il est là à long terme. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième, bien sûr, c'est la décarbonation de l'industrie. C'est que l'hydrogène, c'est une brique chimique pour décarboner l'industrie. Alors, ce n'est pas récent, mais l'hydrogène vert, par contre, c'est beaucoup plus récent. Alors, deuxième chose que je voulais rajouter, c'est autres avantages. Faire de l'hydrogène à partir de biomasse, ce n'est pas zéro émission, c'est carbone neutre. C'est qu'en fait, vous venez de déstocker du CO2 qui était stocké dans l'arbre, et vous allez donc le relarguer dans l'atmosphère, et ce CO2 va être réutilisé par la plante ou l'arbre pour repousser. Donc finalement, vous déstockez pendant une cinquantaine d'années. Ce n'est pas négatif, mais il faut quand même le garder en tête. D'accord ? Donc c'est carbone neutre. L'électrolyse, effectivement, c'est zéro émission de la production jusqu'à l'utilisation. Ça, c'est l'avantage qu'on a au Québec. Le troisième possible, c'est le carbone négatif. Vous pouvez être négatif même. Alors du coup, avec la biomasse, si vous le faites proprement, et je pense à madame et votre magnifique ferme, vous êtes vraiment dans une situation où vous pouvez faire du carbone négatif. Ça, c'est vraiment génial, parce que vous avez des puits de carbone. Le biochar est un exemple, mais il y en a d'autres. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Alors, je dirais que quels sont les avantages les plus importants? Moi, je pense que pour le transport lourd, le transport vraiment lourd, hein, la machinerie industrielle, clairement, les batteries ne font pas le travail. Et l'hydrogène, ben, c'est à peu près la seule solution qu'on a. En fait, c'est ça. Je dirais qu'il soit à un coût acceptable. Parce que vous allez me dire le biodiesel, mais le biodiesel, vous n'allez pas résoudre le problème d'émissions de fines particules. Ça, c'est le problème. Et donc, vous allez, oui, peut-être être carbone neutre, mais vous aurez toujours les fines particules. Donc, le biodiesel n'est pas une solution non plus. Partiellement, mais je veux dire, ce n'est pas la solution à long terme. C'est probablement l'hydrogène et le transport lourd qui sont le plus intéressants. Maintenant, je pense à Denis du quotidien. Toujours. Comment est-ce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean peut se positionner là, dans cette nouvelle industrie? Les méga-projets seront plutôt rares, on l'a vu, hein? on vit l'après-GNL, je vois Adrien qui est là, il y a eu de beaux débats dans la région. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de ça, là? Puis vers où on s'en va? Peut-être, Jacques, potentiel de Saguenay, peut-être? Est-ce qu'il y a un potentiel au Saguenay, Lac Saint-Jean? Oui, il y a un grand potentiel. Puis l'une des raisons fondamentales pour laquelle il y a un grand potentiel, c'est que l'après-GNL a laissé en place ici, au Saguenay, un bloc d'électricité de plus de 500 MW qu'il faut conserver en région, premièrement. Oui. C'est alors, clair. Amis politiciens qui sont ici, non, saisissez-le bien. C'est clair dans mon esprit que le bloc d'énergie verte électrique qui était réservé au projet GNL doit servir à la création d'une industrie de l'hydrogène au Saguenay. Et nous, chez Gilbert Énergie, ben, on veut être ce que Jean disait, précurseur. On veut être pionnier, puis on veut être le premier à réfléchir avec mes partenaires à un projet de production d'hydrogène, mais également de distribution. Alors, on parle de station. Et donc, toute la philosophie de proximité entre la production et la consommation, bien, relève directement de nos objectifs de projet. Voilà. Moi, je suis persuadé qu'on est capable de lancer la première balle à l'autre bord de la clôture en partant d'ici. Moi, je dirais que le Québec a tous les atouts pour accélérer la décarbonation, qui est un des premiers étapes à atteindre éventuellement l'autonomie énergétique. Puis le Saguenay a tous les atouts, y compris les grandes entreprises, mais aussi les entrepreneurs. Il y a une qualité d'entrepreneurs extraordinaire ici, hein? Moi, j'ai visité peut-être une cinquantaine d'alumineries dans le monde, ça parlait québécois partout, parce qu'il y avait des fournisseurs d'équipements partout. Et on aurait Miroy qui est ici aujourd'hui, qui a gagné peut-être un prix du BUC, et qui est en énergie, puis qui est en aluminium. Donc, on a des équipementiers ici, on a des manufacturiers, on a du savoir-faire, on a de l'électricité. On a des matériaux du bois. En plus,
Donc, écoutez… Frédéric en a parlé tout le à Saguenay, l'heure. Hein? Exactement, le Saguenay a tout ce qu'il faut pour devenir un hub très important d'hydrogène au Québec. Voilà. Mais on va… je vais vous demander, d'ailleurs, vous êtes presque rendu là, parce qu'on a dépassé un peu notre temps, mais c'est tellement intéressant. Hein? Il n'y a pas de problème pour vous? En une minute, qu'est-ce que ça prend maintenant pour développer cette filière-là? Parce qu'on veut le développer, ça nous prend le politique, ça nous prend l'économique, mais si vous aviez là un mot à dire, qu'est-ce que ça nous prend? Qu'est-ce que ce serait? Puis tiens, on va commencer par toi, Jean. Hein? Une minute, oui. Ça va être vite. Ça vous prend naturellement un appui local, ça vous prend une vision à long terme énergétique, ça prend… j'ai toujours dit, dans des projets comme ça, en tout cas comme le nôtre, on ne peut pas faire ça tout seul. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un consortium, on a autour de la table toutes les parties prenantes des Airbus de ce monde, mais d'autres parties prenantes au niveau politique, au niveau gouvernemental, au niveau réglementation. On travaille avec l'OACI, on travaille avec toutes les parties prenantes qui sont en train de nous aider à définir ce nouvel, en anglais on dit Blue Ocean, cet océan bleu, puis ce bris de paradigme. Alors ça vous prend un alignement, puis je pense qu'un gars comme Jacques est parfaitement capable de faire ça, de rapprocher tous ces gens-là près des projets. Les grands émetteurs, ça prend ça prend le gouvernement naturellement au niveau de l'énergie, ça prend un regroupement au niveau des achats, de la distribution. Souvent, on me dit, ben tu veux regarder un projet au Saguenay, ça fait du sens au Saguenay, tu devrais être à Montréal. L'aéroport de Montréal est à Montréal. Mais non, le Saguenay, vous avez tout. Je parlais avec le directeur du port tantôt, Carl, puis je veux dire, vous avez tout ce qu'il faut là. Je pense que vous êtes pas, c'est pas à l'autre bout du monde, on est vraiment un endroit où vous avez la logistique pour parfaitement fabriquer du SAF, l'envoyer jusqu'à Lévis ou encore à Montréal, puis l'utiliser dans la chaîne de valeur. Donc, je pense qu'il faut vraiment aligner tout le monde. Mais n'oubliez, pour moi, je dirais à quelqu'un, n'oubliez jamais qu'il faut toujours consulter avec tout le monde, et jamais prendre pour acquis que tout le monde est d'accord. On regarde une façon de faire un win-win tout le temps. Est-ce qu'on peut gagner? Comment est-ce qu'on peut gagner? Comment on gagne? Qu'est-ce que vous avez besoin pour gagner? Et en parlant comme ça, c'est comme ça que les projets se réalisent. Philippe? Oui, je pense qu'il y a deux mots. Dérisquer et, comme on dit en anglais, bankable. Je pense que Denis a extrêmement bien résumé ça tout à l'heure. Dérisquer, ça veut dire un appui politique, financier, réglementaire. Ça, c'est pas mal dans les mains des gouvernements. Quant au bankable, c'est très simple, hein? Il faut aller à la banque, donc il vous faut un projet qui soit crédible sur le plan sociétal, sur le plan économique, sur le plan financier. Si vous avez ces ingrédients-là, vous allez réussir. C'est un très bon point, Philippe. J'aimerais juste m'accrocher là-dessus, parce que c'est tellement important ce qu'il dit. Dans des projets, n'importe quel projet, puis Dieu sait, on en a fait longtemps ensemble, puis j'en ai fait pas mal, tu as toujours trois éléments, le feedstock, la partie ressources, la partie opération, la partie technique, et la partie contrat off-take. Dans notre cas en particulier, on est allé tout de suite à la partie off-take. Pourquoi? Parce que quand on s'assoit maintenant avec les financiers, on a un accord bancable. Et on peut leur dire, la source de revenus, elle va venir là. Puis on peut te dire combien. Puis on peut te démontrer par le marché comment ça va valoir. Puis, alors, eux, ils dérisquent. Et tu disais très bien, Philippe, ils dérisquent le projet parce qu'on couvre toute cette zone-là. Alors, il ne faut pas juste regarder la partie ressources, il faut regarder tout l'ensemble du projet, à même les parties prenantes. Je vais être bref. J'ajouterai rien de scientifique à ce que mes deux collègues ont mentionné parce qu'ils rejoignent essentiellement ma pensée. Mais le soutien politique est essentiel. Moi, je suis dans l'énergie renouvelable depuis 35 ans, puis on a commencé avec l'éolien à l'époque. Puis le gouvernement supportait l'industrie éolienne. Puis là, soudainement, on commençait à y croire, puis on commençait à subventionner l'énergie éolienne, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est l'énergie qui coûte la moins chère à produire. Alors, il faut un support politique, y croire, et créer l'acceptabilité sociale, bien entendu, qui doit entourer l'ensemble de ces projets-là. Soutien politique. Rassembler tous les partenaires. Il y a trois semaines, j'étais à Edmonton. Il y a des projets à travers le Canada de différents types.
beaucoup d'intérêt pour l'hydrogène vert en passant. Et parmi les promoteurs, quand je suis arrivée à Edmonton, savez-vous qui était là? C'était pas Sept-Îles, c'était pas Varennes, c'était pas Baie-Comeau, c'était Promotion Saguenay. Parce que Promotion Saguenay était un des promoteurs et des partenaires de cet événement-là. Fait qu'il faut voir en avant, avoir de la vision, engager tous les partenaires, travailler avec vous pour le faire, développer des beaux projets avec des bonnes études, robustes technico-économiques et, comme on dit, dérisquer et impliquer toutes les parties prenantes. Il y a un représentant aujourd'hui de la communauté autochtone, Rockwake, et impliquer aussi toute la chaîne de valeur. On a des beaux clients, on a des fournisseurs de services, on a tout ce qu'il faut au Québec. On a tout ce qu'il faut au Saguenay. Moi, je veux faire un peu de millage sur ce que Marie dit. Je veux remercier Promotion Saguenay, Claude Bouchard, Martin Gilbert, qui sont pratiquement devenus mes amis, du moins je le crois. Carl, merci. On a vraiment un beau support dans nos projets avec vous, puis je pense que vous êtes également le moteur de l'acceptabilité sociale autour de ça. Merci. Marie Lapointe, Philippe Tanguy, Jean Paquin, Jacques Gauthier, merci beaucoup de vous être déplacé, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et Marie, tu as souligné la présence de Rémi Roy. Rémi, qui a reçu le prix d'entreprise de l'année au dernier gala des Dubuc. Alors, on n'en parle pas assez de nos belles entreprises. Fantastique, des champions mondiaux. Absolument. Quand et une question, les deux seuls médias qui ont couvert cet événement-là, qui ont mis en lumière Rémi, c'est Le Quotidien et Informe Affaires. Aucun autre média l'ont mis en lumière. Voilà. Alors, une des choses, soulignons. Soulignons l'importance de ces entreprises-là qui nous apportent tant de richesses. Merci beaucoup. Avant de céder la parole à Nicolas Gagnon, que je vais inviter à venir sur la scène pour vous expliquer le déroulement de la suite des choses, je vous ai parlé de la relève entrepreneuriale. Le 26 mai, je vous invite à venir la rencontrer. C'est un événement exceptionnel qui s'appelle le Spin Contact. Vous aurez la chance d'écouter aussi l'histoire de Jean-François Tremblay, qui est copropriétaire de la compagnie régionale Reptile, qui fabrique des paddleboards. Il y a plusieurs prix de présence qui seront tirés ce soir-là. Alors, un événement réseautage à ne pas manquer. Merci beaucoup à Denis Leclerc. Denis Leclerc, nos panélistes, nos intervenants, d'avoir pris le temps de participer à ce rendez-vous économique. Et merci à nos nombreux partenaires. La Chambre de commerce a besoin de vous. Votre Chambre de commerce qui a reçu le prix de Chambre de commerce de l'année en 2021 est maintenant en nomination pour le leadership national de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Est en nomination aussi pour l'aile jeunesse de l'année du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Alors ça, c'est grâce à vous, les partenaires, parce que vous nous permettez de faire des événements comme celui-ci ce matin. Alors, on prépare notre prochaine saison. Je vous invite à rester avec nous à titre de partenaire. Alors, merci spécial aussi à Denis Bouchard de l'agence Sherpa, mon complice des rendez-vous économiques. Denis, c'est un bonheur de travailler avec toi. C'est le dernier rendez-vous économique de la saison. Je te laisse la parole et moi, je vous dis merci beaucoup et profitez de ces tables-là qui sont là pour vous et répondre à vos questions. Merci beaucoup. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.